mais parce que voilà, ils veulent encore faire plaisir à leurs enfants. Essayer de cacher à leurs enfants que, bah oui, les fins de mois sont dures. Et puis, bah, ils veulent quand même leur faire plaisir. Mais maintenant, les Noëls sont de moins en moins grands. Hein. Ils sont grands que pour les gens du gouvernement. Hein. Tout à fait. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand, après l'élection du candidat Macron, il est venu à Rennes. Et je travaillais ce jour-là, à Rennes. Dommage, sinon tu aurais été le voir. Non, j'étais sur place. Je travaillais là où il est venu. Ah, ok, d'accord. Donc, ce jour-là, donc, j'étais en contact avec les journalistes. N'est-ce pas? Mon boulot, ça a été de contingenter les journalistes pour les empêcher de sortir de la pièce où ils étaient. Alors, ils ont empêché qui de sortir? Les journalistes. Les journalistes. Voilà, pour pas qu'ils aillent au contact des gens. Voilà, dans les journalistes, ils étaient tous outrés, mais on n'en a pas vu un seul papier dans les journaux. Par contre, une fois que le candidat, enfin, c'était pas le candidat, il était élu, une fois qu'il est parti, je peux vous dire, c'est inimaginable, le buffet qui a été foutu en l'air. Alors, tous les plus gros se sont gavés la panse, ouais. Hein, pendant que vous avez des agents de sécurité qui regardent, et qui peuvent même pas bouffer, hein, et qui viennent travailler pour 40 euros toute la journée, qui font je sais pas combien d'heures debout, mais ça ils s'en foutent, ils les regardent pas. Et à côté de ça, et bien, tout le reste du buffet était foutu en l'air. Mais on a tellement d'argent en France qu'on peut se permettre de foutre de la bouffe en l'air. C'est ça, la crevardise. Marie. Oui, Jacqueline, est-ce que vous pouvez répéter de quel candidat il s'agissait? Qui s'agissait-il? Il s'agissait de Monsieur Macron. Merci.